51 à l'estation fréquence de la part de 14 Delta Romeo 33, lundi 33, pour le QRZ national du canal 27, section sud-ouest. Et il est 21h. Ok, les 73 à toi, il y a eu aussi un appel dans le lointain derrière. Les bonnes 73, ça doit être... alors, attends que je regarde. Cyril, je pense. Bon, je n'entends plus de mon côté, il reviendra. Ouais, les 73, je sais pas, c'est... Il y a Doudou 33, oui Doudou. Allez, 73, 51, monsieur Zandy 33, je suis sur le secteur de Cessas en chargement. Donc, mes amitiés à tous les OM qui sont dessus, là, et à Xavier, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, là, voilà. Donc, 73 à tous ceux qui nous écoutent, allez Zandy, à toi le micro. Les 73 retournés, eh bien, tu passes bien sur le web SDR, tu passes aussi bien chez moi. On voit que là, t'as pas le même matériel que d'habitude, Hachi 3 coups. Et en plus de ça, hé, je suis étonné, quoi, t'es calé en fréquence, Hachi. Affirmatif, j'ai le Lincoln, ma collègue, là, qui m'a prêté pour voir si ça marchait dans mon camion, parce que ça marche pas dans mon camion. Du coup, moi, ça marche très très bien dans mon camion. Ah oui, ben tu m'étonnes. Et si ça retrouve, ça dépend de l'antenne. Ouais, retour Doudou, je disais, ça dépend peut-être de l'antenne. Ok, bon, apparemment, il est occupé de son côté. Retour de micro, c'est Xavier, non? Je sais plus. Oui, c'est moi, c'est venu. Les 73, c'est côté à toi. Quand je t'entends plus finalement, tu verras, et c'est le SDR. C'est pas le même calage. Je vois sur le SDR. Hop là, on a parlé en même temps. Désolé, les bandes 73 sont tournées. Oui, vas-y, retour. Oui, je vous entends. Oui, donc, déjà, appelle. Oui,
En avant le break avec les bonnes 73. Ouais, 73, la part d'Eric, 14 Victor Hugo Vez. Salut à tout le monde. Je sais pas, j'arrive, c'est toi qui arrive, qui est là. Alors, il y a Doudou 33, il y a Xavier, il y a toi maintenant. Je suppose que Michel doit être derrière la porte et doit attendre qu'on le fasse rentrer. Les 73, Michel, retour. Eric, retour. Oui, 73, Rémi. 73, je crois que c'est Xavier. Et puis, je sais pas qui est là avec nous. 73 à tous les écouteurs aussi, voilà. Retour, Rémi. Ok, ah oui, il y a un appel derrière, en avant. Ouais, j'ai entendu quelqu'un de très QRP là, à la station. Les 73 retournés là, du QSO section sud-ouest. Il est avec qui, Eric ? 73, il est là-bas. Ah, 73, Eric, opérateur Doudou. Salut Doudou, 73. Ça va, mon ami ? Comment tu m'entends ce soir ? Ouais, ça passe fort et clair, il n'y a aucun souci, voilà. Ça passe bien, là. Non, non, mais vous n'avez pas que j'étais là, tu vois, je t'ai dit, j'ai mis tout branché, mais j'étais pas devant le poste radio, donc le temps que je revienne. Ah, il n'y a pas de souci, hein, pas de problème, j'étais avec Xavier au tout début, là, donc il n'y a pas de problème. Allez, retour, à Dodo. Ah, il y a Dodo, je n'ai pas entendu. Ah, je me suis trompé, c'est pas Ludo, c'était Xavier, je crois que Julien, c'est Xavier. Oui, Ludo. Bon. Ah, oui, oui, comment vas-tu? Ben écoute, ça va, tu vois. Le peu de radio, j'ai dû allumer trois fois le poste dans la semaine, mais sinon, mais ça va, pas de problème. Allez, on va retourner sur Rémi, on va voir Ludo. Non, attends, il manque du monde là. Pourtant là je vois sur le web SDR, il y a pas mal de monde là qui suit le QSO là déjà là. Eric, t'as loupé là une belle journée de propag. Hein. Là tout l'après-midi là a passé de tous les côtés. Il y a la Haute-Savoie qui est passée. Il y a eu la Belgique qui est passée. Bon bah l'Italie, l'Espagne. Il y a eu du côté des États-Unis aussi, Amérique du Nord. C'est passé un petit peu partout là cet après-midi là, jusqu'à en début de soirée quoi. Ben écoute, tant mieux, j'espère que tu as fait de bons contacts, ouais. Non mais je te dis, moi j'ai dû l'allumer 4 fois le poste de la semaine, donc j'avais d'autres occupations, on va dire, voilà. Voilà, mais tant mieux si la propagation était là, puis j'espère que tu as fait des contacts. Non, en ce moment, je suis pas mal pris sur autre chose. Mais là, là pour la semaine, si je me trompe pas, ça doit être la première journée là où il y a eu une aussi belle propague comme ça. C'est, donc, le restant de la semaine, t'as pas loupé grand-chose. Hein. Ok. Bon, bah, écoute, l'essentiel, c'est que ça donne un petit peu au niveau de la radio. Allez, retour sur Doudou. Attends, il y a quelqu'un qui parle derrière. Oui, la station que j'entends très très QRP, les bonnes 73-51 à vous, en avant. En mobile arrêté sur les Pyrénées, ok, oui, il n'y a pas de souci, les bonnes 73-51 à toi. Au sud du département de Saint-Saint, dans l'ouest de Paris.
Ok, 100% QSL. Eh bien, toi, justement, là, tu parles de que la propague est en train de monter. J'ai en même temps un œil là sur le portail du forum où j'ai mis là un widget qui observe l'évolution là des aurores boréales, des trucs comme ça. Et effectivement, par rapport à tout à l'heure, je vois l'étendue là du truc qui s'est un petit peu agrandi, quoi. Et donc, oui, ça confirme bien ce qu'on m'a expliqué. Il y a un lien entre les deux. Hein. Hachi, retour de micro. Ok, 100% QSL, parce que là, de ce côté-là, tu es le seul à passer. Hein. Je voulais voir si Michel est derrière la porte. Si oui, vu que lui, il entend bien tout le monde. Michel, si tu es derrière la porte, vas-y en avant, avec les bandes 73. Eh bien, bonsoir à tout le monde, les amitiés à vous et à tous ceux qui vous entourent. J'espère que Eric m'entend un petit peu. Oui, je l'entends, la personne qui parle avec toi, je ne sais pas d'où elle est, j'ai pas fait attention quand il s'est signalé. Retour d'abord à Eric pour savoir s'il m'entend. Oui, Michel, 73, oui, je t'entends, il n'y a pas de problème. Mais j'entends aussi la station là, des Pyrénées, mais c'est trop petit, je ne déchiffre pas. J'entends quand elle parle, mais je n'en comprends pas, voilà. Allez, retour vers. Les 73, Patrick. Oui, mes amitiés à tous, c'est beaucoup d'idées. Mes amitiés, Michel qui vient d'arriver, Xavier que j'entendais un peu, Doudou, et puis Eric, bien sûr, c'est un peu comme tu vois. Mais j'espère que vous allez bien, pour les 5, là, voilà, on retourne. À qui veut. Ah, 73, la station, l'opérateur Doudou, sur ses stats, 73. Ah ok Dodo, mais tu passes bien ici, sur 5 après de Bordeaux, y'a pas de problème, voilà, impeccable. Mes amitiés, 73 à toi, j'espère que tu vas bien, voilà, retour. Ah ouais, merci, merci, du retour, y'a pas de soucis, tranquille, hein, on finit la journée à Desserment, avec un petit cuisseau là où il y a un petit peu de monde, ça fait plaisir. Hein. Donc ben voilà, on finit la semaine en beauté, donc voilà, allez, retour Eric. Ok, ben attends, on va repasser sur Rémi. Vas-y, Rémi. Ouais, merci du retour. Là, ça passe tout le monde. Ça passe pas tout le monde. Michel, ça va. Allez, Rémi. Attends, ça parle. Ça passe très bien. J'écoute aussi du temps. Voilà. J'écoute aussi du temps. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc,
transmettre les ondes de Saint-Martin à tous les hommes qui sont de votre côté là-bas. Je vous renvoie les bonnes amitiés de Rudy sur les Pyrénées et premier soir, je vous rencontrerai avec l'équipe des Chicotécas parce que là, actuellement, je suis avec une antenne Missouri, une petite antenne de Missouri sur le doigt avec le poste de Palisère. Donc la prochaine fois, je monterai au moins une ligne de nuage pour ne pas une petite perte des éléments. Voilà, et bien sûr qu'il fera un peu plus chaud. Alors ce soir, tout le monde entend Ludovic, mais apparemment, il n'y a que nous qui ne l'entendons pas, quoi. Chi trois coups. Tu es avec une antenne, une Missouri, en mobile, là-bas sur les Pyrénées. Putain, mais c'est hallucinant, quoi. Ça faut voir comment... Tu verras, là, sur la vidéo, je t'entends bien, moi, ici. Là, il n'y a pas de problème, hein. Et oui, retour sur Patrick pour voir si lui il t'entend. Oui, mais les amitiés à la station du Pyrénées, là, de 14 CD en 01, on perd ça, Patrick, voilà, qui tient 5 à 7 euros, mon ami, voilà, retour. Oui, retour des Pyrénées. Ah, ouais, mais j'essaie de. Moi, personnellement, je n'entends pas. Hein. Non, mais là, c'est bien remonté, là, au début du piéton, je n'entendais pratiquement pas. Et là, j'ai pas de signal, mais une excellente radio de 5 hein, pour toi, voilà, une excellente radio de 5. Et son petit peu Rudo, donc tout le monde entend Rudo, mais lui n'entend personne. C'est un peu marrant, mais bon, je réfléchis chez moi, c'est impossible. Hein. J'ai trop de soir, j'ai trop de QRM CPL, avec un QRM à 9, ça marche pas. Donc je suis obligé de m'évader en mobile sur une hauteur pour vous écouter depuis le 65 QSL, oui. Oui, 100% QSL. Apparemment, il n'y a que moi qui t'entends. Hein. Le couloir est plutôt là de mon côté, là, on dirait, là, pour les Pyrénées, mais pas du côté de Bordeaux. Cyril, oui, Doudou est avec un Lincoln, là, ce soir. Et il est sur il a dit tout à l'heure, Mérignac, je crois, je sais plus. Enfin bon, bref, il n'est pas au cuir à soir, enfin pour le moment. Retour sur Michel. Je l'attends maintenant, l'ami des Pyrénées, là, 73-51, opérateur Michel, sur tout à fait le nord Gironde, limite 33 et 17. Mais vous m'arrivez avec une bonne radio, je n'ai pas regardé au signal, peu importe, mais la radio est bonne. Retour à vous, les Pyrénées, si vous avez ma copie. Ok, attends, il y a un petit souci, c'est que tout le monde t'entend pas, du coup ils ont l'impression que la fréquence est vide. Chi trois coups. Alors il est au-dessus là, de Bagnères du Bigorre, en mobile, avec une petite président Missouri là, sur le toit là, du push. Donc là, joli pour la performance. Hein. Retour sur Patrick, puisque là tu étais en train de parler avec quelqu'un, désolé. Disons que je l'entends, mais en murmure, moi, de mon côté, mais je comprends pas ce qu'il dit, voilà. Je sais qu'il est sur la bande, je l'entends, dans le casque, mais ça s'arrête là, voilà. Retour, Rémi. Ouais, affirmatif. Il y a quelqu'un qui était rentré, là, dans le QSO, là, qui m'arrivait très QRP de mon côté. Retour à lui, c'est la station avec qui tu parlais, là, à l'instant, là, brièvement. Bon ben il m'entend pas. Retour Eric. Ouais,
c'est pareil, là, quand on est tiré, j'entends murmurer, mais je ne déchiffre pas, hein, voilà. Donc j'entends quand je parle, mais c'est tout. Je la salue quand même 73, Eric 14, Victor Eto 27. Je ne sais pas s'il m'entend, mais je vais envoyer le meilleur chiffre. Tu me diras si ça arrive. Il est en train de parler. Ok, donc Eric, c'est Rudy. Hein. Et voilà, il entend tout le monde, hein, lui là-bas. C'est, il est bien placé, là, il entend tout le monde. Le prochain coup, il essaiera de monter encore un peu plus haut, là, pour essayer de passer encore mieux. Et au niveau puissance, il ne peut pas monter plus, sinon, là, il risque de cramer la Missouri. H3 coup, retour Eric. J'ai compris qu'il était à Bagnères de Bigorre, c'est ça, sur un point haut alors. Oui, au-dessus. Alors sur le SDR, j'arrive pas à l'entendre. Je l'entends uniquement là au QR1. Retour Doudou, si tu es là. Ok, je vois en même temps sur le chat du web SDR, les 73, eh bien, renouvelé Cyril, 14 Alpha Romeo 1995, Woodstock 80, 14 Charlie Delta Romeo 7, 14 Charlie Hotel 22, 14 Zulu Golf Delta 50, 14 Echo Delta 040 et tous les autres qui sont aussi là sur le chat. Hein. Voilà, on vous envoie à tous et 73. Voilà. Eric, tu voulais les news là, tout à l'heure. Eh bien, ok. En ce moment, du côté, et là c'est Doudou qui va être content, du côté des routiers, il y en a de plus en plus, là, surtout cette semaine, là, qui s'intéresse à la CIVI. D'ailleurs, Doudou, puisque tu es sur le groupe, tu as dû certainement voir le compteur là, du groupe monter d'un coup. Hein. Et oui, tous les nouveaux qui sont en ce moment sur le groupe, c'est quasiment tous des routiers. Hein. Retour Doudou. Ok, Benji, il n'y a pas de souci, bah, ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouveaux mid-pads qui s'équipent en radio. Hein. Bah, ça fera un peu plus de TV sur la route. Hein. Donc, moi je suis toujours soit en BLU, soit en AM, sur le 40. Hein. Et puis après, bah voilà, on trouvera bien les stations qui parlent au loin avec les cages sur les TV. Donc, il n'y a pas de souci. Retour à toi, Dundee. Ok, alors ils sont équipés CB déjà là pour la plupart d'entre eux, mais ils sont il y en a qui vont rigoler quand ils vont voir la vidéo. Alors Fabienne, je t'explique. J'ai Ludovic de l'U33 qui m'a lancé la perche. Et quand on me lance la perche, tu sais, il faut que je relève un défi, moi. Alors il y en a qui découvriront ça sur la vidéo. Doudou, ouais, donc oui, voilà. Ils ont quasiment tous la CB, mais assez timides pour prendre le micro. Tu sais comment c'est à chaque fois. Ils sont derrière la porte, mais bon, ils se sentent pas concernés quand il s'agit de prendre le micro. Quoi. C'est, alors donc là, on les travaille un petit peu au cœur, là, tous ensemble.
Ils en discutent sur leur groupe routier là, de leur côté. Et on leur montre, on leur en montre encore plus là de notre côté là sur le groupe, hein. Justement là pour les inciter, pour les motiver à prendre encore plus le micro. Hein. Oui Doudou. Alors, Rémi. Ouais ouais, mais il y a Doudou qui a répondu derrière. Ok Eric. Tu sais que tu passes bien l'image juste dans les vidéos. Aïe aïe. Attends, tu verras la connerie là, que Ludovic l'avait fait faire là, ce soir. Ah ouais, parce que j'ai vu la dernière vidéo, c'est bien, ouais, c'est pas mal. Ah, faut bien amuser les enfants un petit peu, hachi. Non, c'est vrai que ça fait, c'est sympa, c'est marrant, c'est du jeu, hein, c'est tout, hein, de toute façon, faut pas chercher plus loin, quoi. Et par contre, tu évites de faire des grimaces des fois, quand même, hein. Oui, alors, Michel, le dernier coup, en début de QSO, tu avais le micro en main, et il y a quelqu'un sur ton ordinateur, sur ton réseau, qui décède, d'un seul coup s'est mis à parler. Et là, là-dessus, tu as réagi, et moi j'étais plié de rire de mon côté, sauf que moi j'ai la caméra de braquée sur moi, en plus des autres caméras qui sont l'une sur l'ordinateur, l'autre sur le poste. Alors du coup, eh ben, tout le monde m'a vu plié de rire hein, par rapport à toi. Quoi. Retour Michel. Ouais, mais tu dois être bon à voir, on va voir que je regarde ça. Je voulais vous signaler quand même que dans la semaine, ça m'arrive de me lire sur le web SDR de Bordeaux. Et si vous saviez ce que je peux m'amuser à écouter, les routiers, il y en a qui ont la radio, il y en a qui se font du radio-guidage et compagnie. Mais je ne pensais pas qu'il y avait tant qu'il y avait encore la radio. Eh bien, la semaine qui vient de se passer m'a prouvé que l'antenne de Ludo est très très bonne. Elle capte très bien les environs et l'autoroute doit passer bien loin. Mais il parlait sur la radio et je vous le signale. Oui, oui, voilà, c'est ça, mais c'est sûr qu'il y a du monde un peu partout, puisque sur le groupe, là, sur deux matinées, comme ça, le temps du retour, là, une heure de trajet, quoi, j'aurais marqué tous les canaux où j'ai trouvé du monde, comme ça, le temps du trajet, et, ah oui, 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 il y a du monde. Oui, retour, ça devait être Doudou, je crois, non? Ben bien sûr. Oui, oui, non mais disons que alors c'est un petit peu différent, puisque c'est des utilisateurs de la CB. Voilà, donc autrement dit, ils sont là pour discuter entre collègues, entre pour les bennes avec les gravières, c'est tout cela qu'on entend là sur les 40 canaux. Hein. Un petit peu plus peut-être. Ah, petit peu, toi. Mais
disons, ça c'est une 7-8ème, hein, elle fait 8 mètres et des poussières passées à l'antenne de branche, avec une radiant de 1m60 chacun, donc 50 ans. Et pour moi, sur le blaguer, c'est bien meilleur, hein. Oui, tu m'entends mieux, Michel? Affirmatif. Ah, ok, mais tant mieux, voilà, oui, ben oui, mais ça pousse quand même, c'est au moins 2 dB, ces antennes-là, en plus, en fait. Ouais, de mon côté, c'est du 54, hein. Vas-y, parle. Ouais, je disais que de mon côté, c'est du 54. Mais là, ça démarre à 9 plus 15, ici, là, de mon côté, bien tapé, parce que ça tape presque le vent, mais pas, ça ne veut pas y aller, quand même. Mais 9 plus 15, c'est bon. 9 plus 15? Ça va super bien, voilà. Retour sur le rugby. Ok, d'accord, tu m'étonnes. Je m'étonnais que je t'entendais dire, Patrick, 9 plus 15. Ça va, j'ai compris. Quoi. J'étais synchro avec Eric pour reprendre le micro, mais pas dans le bon sens. Ah, je suis trois coups. Donc je disais que c'est du 54, là, de mon côté. Hein. Ah, ok, 54, ben, en effet, oui, 54. Bon, d'accord. Attends, bouge pas, Rémi, je change l'antenne, je la mets sur la 2016. Voilà, là, c'est ça, 2016. Tu m'entends comment? Est-ce qu'il y a du changement ou c'est pareil? C'est toujours 54. Alors, ça montait d'un quart de point. Ouais, au niveau un quart de point, il est comment? Ouais, mais c'est bizarre, parce que disons qu'elle a... Ça monte à la turbo, elle a un peu plus de gros, c'est pas ça, 1,8 à tout casser. Et tandis que l'autre, celle-là, là, j'ai un pratiquement, un de gros, donc c'est pas du tout pareil. Ça a fermé, c'est passé à 5,9, je suis mort, là. Ah, 59, maintenant, en fait, tu vois, ça monte, hein. Mais ça dépend du gros aussi, dans l'antenne et tout, mais par contre, l'autre, là... La menthe va turbo, tant mieux, parce que l'angle de tir n'est pas le même, c'est beaucoup plus, c'est au moins 3000 km le premier rebond, donc c'est pas avec ça là, c'est 1000 km, hein, donc c'est pas là. Le premier rebond, c'est pas du tout pareil, hein. Voilà, quand c'est demi-onde, dur. Mais bon, ça fonctionne bien, c'est bon, tant mieux. Ouais, 59 actuellement, là, et tout à l'heure, c'était 9 plus 15. Ah, 9 plus 15, là, d'accord, ça a baissé alors, donc c'est plus puissant, mais comment tu turbo de ton côté? Ah oui, largement, oui. Là, t'as perdu avec des points. Hein. Pas en radio, mais avec des points. Mais avec l'autre tout à l'heure, c'était 9 plus 15. Et là, tu m'arrives à 59, actuellement. Ah ok, donc là, de ton côté, c'est mieux comme ça, voilà. Oui, ben oui, il n'y a pas encore un grand truc, ouais. Ouais, ben, fonctionne, mettons, oui, un, deux, vous voyez, grosso modo. Ah, il y a quelqu'un qui a repris le micro. Comment ça va, Turbo? Bon, je sais pas, ça a dû rechanger quand même, non? Ah là, c'est monté en signal, oui. Ah, ça monte en signal de ton côté? Ah oui. Ah bon, c'est bizarre quand même, ouais, c'est bizarre, oui. Ouais, là, un peu plus de rose, mais bon, c'est les anciens qui cartonnent davantage aussi, donc c'est pas du tout pareil. Hein. J'ai pas les mêmes polarisations, alors dur. Ok, allez, retour sur Michel. Moi je vous écoute, ici l'antenne c'est toujours intéressant pour tout le monde.
mais on va repasser au grand chef au cas où il aurait entendu quelque chose. Je bonsoir à tous les amis qui chattent parce que comment ça y va avoir du monde. Mais ça manque de blanc, les amis. Alors faut laisser les blancs. Allez, retour à toi Rémi. Et surtout, passe pas pour un raciste, hein. Faut laisser des blancs. Je suis en train de chercher les bouteilles. Pourquoi tu veux la remplir de même là? Si, je sais pas, j'en ai peut-être même. Hein. Ok, quand t'as parlé de chef, moi je croyais que tu parlais de Ludovic. Mais au fait, on n'a pas de news de lui pour ce soir. Il doit être en famille comme c'est là. Comme d'habitude. Voilà, ouais, affirmatif. Bon, il en profite, il a raison. Là, il attend la pizza. C'était pour le faire réagir au cas où il serait derrière. Ben, je piste, là, sur le web SDR, je le vois pas, quoi. Au fait, demain soir, dimanche matin, je pourrais pas être dans le QSO à cause du pro. Je crois que le pro d'avant a été aboli. Rien n'est aboli. Ouais, mais le monsieur qui a demandé des blancs, on voudrait bien l'écouter. On arrête les blancs. Allez, vas-y, 14, Charlie Hotel 22, en avant. Parce qu'on l'entend pas souvent. J'ai cru entendre quelque chose dans le lointain, mais ça doit être un QSE parallèle. Ça ne fait pas, mais ça passe petit toujours. Ah tiens, regarde, écoute. Ah, est-ce que les Pyrénées sont toujours avec nous? Soit il a bougé, ou c'est la propague qui a bougé. Bon, retour Xavier. Il m'entend plus, Xavier, on dirait. Retour, Xavier, à toi. Je sais pas s'il parle, moi je l'entends pas toujours. Moi non plus, ni dans le casque. Donc, par contre, le temps qu'il arrive, Cyril voulait faire des essais d'émission. Cyril, si tu nous entends, essaye de démettre, on va te laisser un grand blanc. Ça, c'est du blanc, ça. Et en attendant, le bonsoir aux gens du haut de France, à la frontière franco-belge, les bons chiffres à lui. J'en profite. Moi, par contre, monsieur, je vais pas le faire plus long pour ce soir. 73 à tous, 14 Victor Hugo 27, l'opérateur Eric. Je vais passer en fierté. Donc, 73 Rémi, 73 à la tour de contrôle, 73 Doudou, Patrick, les amitiés, 73 aussi. Salut Xavier, salut Doudou, salut tout le monde. Et
les amitiés à tous les écouteurs qui sont derrière, voilà. Bonne soirée à tous et bonne continuation. Allez, retour à René. Ok, tout d'abord, 14, les 73, 14 Echo Delta, 590, voilà, sur le web SDR. Claude, voilà, les bonnes 113 à toi. Ok, Eric, bonne balade sur les ondes, les bonnes 113 à toi et bon week-end. Et tout le monde veut faire la fête demain soir. Ils vont faire la fête avec Ludo. Ah, tu sais que s'il est... je sais pas si tu as remarqué, mais quand il n'est pas là le vendredi soir, le samedi soir, bien souvent, il n'est pas là non plus, quoi. Quoique, c'est pas fiable à 100%, ça. Ouais, bien sûr. J'ai trouvé du blanc. Le dimanche matin, il se lève à 11h. Oh, tu parles de ça. Le dernier coup, j'ai fait 12h30 de sommeil. Putain, j'ai rien compris, moi. Ah putain, quand j'ai vu ça, mais c'est putain, j'aurais peut-être mieux fait de mettre le réveil. Ah ouais, non, mais j'ai rien compris au film. Bon, toi, Michel, as-tu fait de quelques contacts aujourd'hui? Ce matin, j'ai commencé par du DRM. J'ai reçu pas mal d'images et qui sont intéressantes. Puis après, il y a eu la Hollande, qui parlait un peu le français, et il y a eu la Réunion, et puis j'ai eu quand même du monde à la maison, alors je ne pouvais pas être partout à la fois, mais enfin, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, hein, et ce soir, avec un copain du Nord-Est France, on a entendu un appel de nos cousins canadiens. Mais ça n'a pas duré longtemps, mais il a fait son appel et youpi, c'était parti. C'est précurseur. La semaine prochaine, le froid arrive, les cavaliers avec peut-être. Ok, c'était sur quelle fréquence? Ok Patrick, les bonnes 113 à toi, et puis de toute façon on se reverra aussi à Radio Broc là pour un visu quoi. Ok, les 73 Patrick, bon week-end. Ok, merci à tous. Bon week-end Patrick. Oui, c'est Xav qui a repris, non? Ok, ouais Michel, le Canada, tu l'as entendu sur quelle fréquence? Sur le 3-5. D'accord, oui, c'est un bon signe ça. On va surveiller ça. Ok, retour Xavier. Ouais, t'as posé une question Xavier?
Ok, c'est 14, Papa Charlie, non je crois que c'est ça, oh zut, Michel, comment c'est déjà le l'indicatif de Patrick? Ah moi tu sais depuis le temps que je le connais, moi c'est Patrick et l'indicatif, il y a longtemps que je m'assois dessus. Ok, je regarde si j'ai ça sous le coude. Mais il est derrière, il a dit qu'il écoutait. Il peut revenir pour donner son indicatif, Patrick. Ce ne serait pas 14 Papa Delta Romeo 001 ? Ah, je ne sais pas, là je ne te dirai pas, je ne sais pas. Bon, pour le QRZ local, c'est Papy 33. Michel, est-ce que tu peux donner la taille de tes oreilles? Et je peux donner quoi de mes oreilles? Regarde sur le chat du WebSDR, la taille de tes oreilles. Oh. Elles sont toutes petites, comme ça, j'entends pas les QRM. Ah, les 73-14 Fox Delta X-Ray 800, 057, Michel de Toulouse. Salut Michel, vas-y, on te laisse un grand du bon côté. J'entends murmurer dans le lointain, mais c'est tout. Ouais, mais bon, sur la distance, ça passe quand même. C'est en local, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est en local où c'est chiant, quoi. Il y en a un qui sont en vertical et les autres en horizontal. Non, mais tout à l'heure, les Pyrénées, je les ai trouvés avec mon horizontal et puis après, j'ai affiné pour la verticale. Ouais, les 73 Barracuda 56, ah, tu es sur le Morbihan ce soir. Ok, ouais, de bah, toute façon, c'est vrai que là, on tourne un petit peu en rond. Alors, pas grand chose à dire ce soir, tout a déjà été dit. Xavier, si tu veux faire le curieux entre l'évolution de la propague et l'évolution des aurores boréales, il y a un petit windjet là, qui a été mis là, sur le portail du forum. Donc, et c'est vrai que de temps en temps, là, je m'amuse à zioter un petit peu comme ça, et effectivement, ça correspond. Ça se suit un petit peu, plus ou moins, quoi. Voilà, ok, les 213-51 à toi, et à la prochaine, et bon week-end. Ouais, tu vois, Michel Toulouse, il n'entend pas Bordeaux. Oui, ça se tient, les gars, en 11 jours, en 1 heure, ça dépend quand le... L'explosion s'est produite, donc il y a un petit décalage, donc c'est normal, voilà. Oui, voilà, non mais tout à fait, hein, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, c'est ça. Hein. Mais bon, c'est un truc qu'on m'a expliqué il n'y a pas très longtemps là, sur le groupe Facebook.
Et je m'y ai... et du coup, depuis, je me suis intéressé d'un peu plus près. Et ouais, pour t'expliquer, je suis aussi sur des groupes québécois. Et là, le dernier coup, là, qu'on a eu une bonne vague là, de propag, je regardais un petit peu leurs messages et eux parlaient justement d'une activité assez forte du côté des aurores boréales. Et je me suis dit, putain, il y a un lien entre les deux, quoi. Et suite à certains messages là sur le groupe, eh bien apparemment oui c'est confirmé, c'est effectivement les mêmes couches qui sont concernées. Et du coup avec 14 ODR 045 Xavier, on a mis en place un petit widget là sur le portail du forum, là la planète Sibi francophone là que tu verras là sur le côté gauche. Et le truc il s'actualise là toutes les demi-heures et ouais c'est vrai que c'est pas mal intéressant quoi. Ça donne envie de creuser un peu plus loin quoi. Et Rémi. Oui. Tu as les explosions solaires qui font énormément aussi sur la propagation. Ah ben bien sûr. Ça évidemment c'est le premier truc qui rentre en ligne de compte. Mais on va dire que ça, déjà, c'est du visuel et c'est plus près de nous, quoi. Ok, Xav, les bonnes sur 1351 à toi et bon week-end. J'étais en train de regarder en même temps là sur l'analyseur de spectre du WebSDR. Il y a un autre QSO qui est un petit peu plus bas, hein, qui doit être autour du canal, je sais pas, 23, 24, là, dans ces eaux-là. Quoi. Ok, bon week-end à toi, Xav. T'as les 73 également de Cyril. Ok, ben je sais pas pour vous, mais là on n'a plus grand chose à dire. Doudou, Michel, moi j'ai bien envie de passer QRT. Retour Michel. Ah mais je vais prendre le train avec le même temps que toi et on a fait le tour. Ok, ça marche. Là, je peux pas te dire. J'ai pas regardé plus loin que la fin du week-end. Ok, les 73 ont tourné. Doudou, bah pareil. Les 73-51 à toi. Merci d'être avec nous dans le QSO. Ok, merci et prudence sur la route après hein, et bon week-end. La bonne soirée à vous tous et à demain soir, de bonheur et de bonne humeur. Ok, merci, bye.